Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème partie sur Let's Play Bis sur Crash Bandicoot 4 Stop Time sur PlayStation 4. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait le monde de la 11ème dimension. Et aujourd'hui, on part direction le monde de la dimension oedipienne. Et on commence tout de suite avec le premier niveau, retour dans le passé, c'est parti. Alors pour les niveaux inversés de ce monde un peu jurassique, vous le voyez dans l'écran de chargement, ici on va être un peu dans un monde fait au crayon, fait au fusain, ce qui est quand même assez joli je trouve, on se croirait vraiment dans un tableau, dans une toile, c'est super beau, j'aime beaucoup. Allez c'est parti. Et doucement. Dis-moi que normalement tout va sauter. Oui, tout a sauté. Alors là ici, ne pas... Putain, j'ai fini. Ne pas oublier, donc là ici vous l'avez vu, hein, il y avait une caisse... Une caisse un peu planquée. Putain, le con. Donc là j'attends, ce n'est pas bon du tout. Faut pas attendre, voilà. Il devait arriver. Malheureusement, arriva. J'ai oublié une caisse. Putain, j'ai eu chaud. Oh la vache! Mince, j'ai activé un peu tôt, bah oui! Malheureusement, le temps m'est compté. Et évidemment, je l'ai pas eu, bah oui, forcément. Oh, c'est pas vrai, attention! Allez, voilà! Là, je prends quand même beaucoup de risques à chaque fois. Allez! Oh putain, trop tard! On va attendre maintenant. Allez, go! Ok, c'est bon. Ouh. Allez, on va pouvoir enchaîner. Let's go. Attention à la plante. Voilà. Ok, très bien. On fait tout sauter ici. On n'oublie pas. Saisie, checkpoint, et c'est parti. Putain, je pensais être juste, mais c'est bon. Alors là, pareil, ici, pour voir les caisses, c'est pas forcément évident non plus. Je fais au mieux, les gars. Je vous dis franchement, je fais au mieux. Ok, très bien, checkpoint. Parfait. On enchaîne. Tu peux, voilà. Très bien. Ok, pour l'instant... Tout va bien, on gère la fougère. Quand même. Ok, première gemme obtenue, plus que deux. Là, je vous fais le mouvement speedrun, les gars. Speedrun. Allez, niveau bonus. Mon dieu, non c'est bon. Calme-toi. Ouais, je suis un peu con. Ben oui, je suis con. J'aurais dû activer la caisse interrupteur de l'autre côté avant. Petit con. C'est ça, ne pas réfléchir, les gars. J'ai pas réfléchi. Il est bête. Alors, on repart. Hop. Et là, il faut activer la caisse qui se trouve là avant, évidemment. Hein. Là, je peux prendre mon temps. Sur les caisses normales. Hop. Très bien. Ici. Ouais, non, en fait, je devais aussi activer ça en une fois, je sais plus. Que je peux passer là au-dessus, je sais plus. Non, je peux pas. Hein. Si, voilà, je peux. Ça me va bien que je pouvais. Hop. Très bien. Parfait. Bon, par contre, problème, j'ai perdu mes masques. Donc, ça, c'est pas terrible.
Bon, vous inquiétez pas, on va s'en sortir quand même. Hein. Façon, vu le nombre de vies que j'ai, y a pas de soucis. Hein. Alors, ici. Voilà, on arrête le chrono. On avance. On active ça. La TNT, je sais plus si j'active. Non, on va pas l'activer maintenant. Ok, très bien. Ici, on active la caisse interrupteur et on refait la même chose de l'autre côté. Parfait. On va activer les nitros là, ça ira beaucoup plus vite que d'activer les TNT qui ne servent pas. Voilà. On perd le masque. Voilà, moi j'ai tout sauté, voilà. On perd pas une seconde. Calmez-vous les cocos. Ok, très bien. Ok, parfait. Et ici on va pouvoir avancer. Alors là vous la voyez peut-être ici, là tout là-haut, il y a une gemme cachée là-haut là. Elle est au... Si vous la voyez pas, elle est au milieu de l'écran, vous voyez vers le haut au milieu de l'écran. Vous voyez, elle est tout là-haut. Alors vous allez voir comment qu'on la chope. Ça va pas être si évident que ça, mais vous inquiétez pas. Le dragon va vous montrer comment on fait. En espérant pas trop se foirer. Le truc. Ça sera raté. Le truc c'est de se servir de cette caisse fléchée. Bien comme il faut. Raté. Allez. Oh nom de Dieu. Non, normalement comme ça ça passe pas. Oui, il faut bien se servir de la caisse fléchée. Alors résultat, alors maintenant question, en combien de temps je vais la mettre cette... Combien de temps je vais mettre pour la choper cette caisse fléchée, cette gemme. Voilà, en fait c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, tout simplement. Enfin tout simplement, j'ai quand même pas mal galéré, hein, mais c'est comme ça qu'on s'y prend. Ok, très bien, checkpoint, troisième gemme blanche obtenue. Hop là, tranquille. Tranquille ou bilou. Tranquille ou bilou. De l'autre côté. Hop, hop. Tandis que je sens le T-Rex arriver. Et si on reste en bas, voilà là pareil, on reste en dessous. Hop, là on remonte ici, passe ici. Et on est bon. Et normalement on est bon, j'espère. Oui, on est bon. Parfait, impeccable. Et en plus j'ai la relique parfaite, non? Et si j'ai la relique parfaite en plus, impeccable. Parfait. Ah, dès qu'il y a un personnage un peu reptilien avec des écailles et tout, ça me porte chance moi. Loul. À part que ce reptile crache pas de feu, mais ça marche quand même. Loul. Allez, on est parti pour le niveau suivant. Carbure aux fossiles, c'est parti. Ah oui, pour ce niveau, on va jouer qu'avec Cortex, oui, donc on jouera avec Coco après. Exact. Voyons comment ces prédateurs. Allez, c'est parti. Alors surtout, faites demi-tour, hein, voilà, ici, il y a une petite caisse. Hein. Ce serait couillon de la rater. C'est moi qui vous le dis. Y'a rien ici. Non, moi. Hein. Si, si, si. J'en veux bien qu'il y avait un truc là, vous voyez. Même des fois, en tapant partout, on oublie. Il n'y avait pas une autre caisse tout au-dessus. Non, j'avais un doute. Comme quoi j'ai raison d'avoir des doutes. Hein. Ils se sont moqués de moi quand j'ai ajouté la blocification. Qui est-ce qui rigole maintenant? C'est moi. Alors là-haut, caisse, hein, voilà. Attention à lui. Il a paniqué lui. Saloperie. Sale bestiole. Ok, vas-y. Très bien. Ok, on a tout fait sauter. On peut enchaîner. Alors là où il y a une caisse, hein, vous l'avez peut-être pas vu. Attention. Tu peux pas viser la nitro. La nitro là.
Voilà, merci. Je préfère. Voilà, là-haut, vous voyez une caisse, hein, tout là-haut, là. Hein. Par contre, cette caisse-là, pour la choper, j'avais beaucoup de mal. Mais pourquoi mettre des caisses aussi haut, les gars? Franchement. Quel est l'intérêt de mettre des caisses aussi haut? Vous pouvez me le dire, franchement. C'est complètement ridicule non plus. Mettre des caisses comme ça aussi haut. Non mais franchement les mecs, vous pouvez me dire franchement l'intérêt de mettre des caisses comme ça aussi haut. Parce que moi personnellement les gars, je vois pas l'intérêt. Hein. Juste à part faire perdre du temps. Hein. Bon, je vais pas passer 2 heures sur une putain de caisse non plus. Merde. Mais là, vous voyez, je reste appuyé hein, sur le bouton rond. Hein, sur le bouton croix, pardon. Je reste appuyé. Là, vous voyez, là, j'appuie plus. Donc, vous voyez, il y a quand même une bonne annonce. Attendez, je vais mettre un peu plus comme ça. Peut-être que là, je peux peut-être l'avoir un peu plus facilement. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Donc, vous voyez, pareil, c'est la position de la plante, en fait. Hein, c'est... C'est un peu du porte-nawak, hein, mais bon. Bref. Je ne dirai rien. Allez. Ça rebondit. Oui, ça rebondit. Oui. Putain, pète-moi. Voilà, j'allais dire pète-moi la caisse nitro, c'est ce qui m'intéresse. Ok, checkpoint. Hop, là, voilà, très bien. Ici, voilà, on va attendre que l'insecte descend, voilà, pour que que je puisse atteindre la caisse interrupteur. Et on y va, très bien. Voilà, attention à lui là. Cet énergumène là. Bien. Vas-y, parfait. Faire comme ça hein, aussi, ça marche aussi. Voilà, c'est juste vraiment de dire tout à sauter. Ok. Ouais, par contre, j'en ai raté une là. Attends, on va essayer de la répéter celle-là. C'est vraiment bête de rater des caisses, je vous le dis. Surtout si je peux toutes les avoir. Voilà, très bien. Allez, viens ici, toi. Saleté d'insectes. Non. Voilà, merci. Je passe ici. Oh, lolo. Oh, j'ai eu très chaud, là. J'ai failli me prendre un crachat de plante, là, dans les dents, là. Ok. Très bien, impeccable. Checkpoint. Je n'ai jamais essayé. Première gemme obtenue. Dans un volcan. Les gentils ont des repères dans des volcans. Tant de choses à voir. J'adore prendre des risques. C'est mon deuxième nom, ça, risque. Non. Non, je préfère quand tu es bien en face avec les fruits. Je préfère. Voilà. C'est mieux pour moi. Au moins, je peux bien viser comme ça. Voilà, très bien. Toi, comme ça. Hop, vas-y. Très bien. Alors là, vous l'avez peut-être vu. Voilà, la gemme cachée est en haut. Hein. Oh, en y réfléchissant bien, pas de repère dans un volcan. Mes poils de narine grillent déjà. Putain, tu peux le publier là. Voilà, merci. Alors là, le truc, ce qu'il faut faire, c'est rebondir sur la TNT. Hein. Voilà, oh bah même pas besoin. Lul. Même pas besoin. Voilà, lui il va se calmer. Allez, vas-y. Ok, checkpoint. Ok, parfait. Deuxième gemme obtenue, plus qu'une.
Attention, ouais. Je t'ai vu, toi, mon mignon. Je t'ai vu. Allez, vas-y. Voilà. Ok, je très bien. Pas vu de champignons si gros depuis la fois où j'avais laissé tourner le gigantotron toute la nuit. Oui, 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 oui. Ah là là, les scientifiques. Je vous jure. Alors là, attendez que je réfléchisse. Voilà, on va faire comme ça. Attention, on va pas tomber. Voilà, très bien. Voilà, on refait la même chose de l'autre côté. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté pour que je puisse atteindre la caisse fléchée, là. Hop. Bien. Même chose de l'autre côté. Par contre, là, j'ai un doute concernant la troisième gemme, là. Non. Par là. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Parfait. Très bien. Impeccable. Normalement, on a le compte. Oui, on a le compte. Parfait. On a tout. Et la petite relique parfaite en prime. Parfait. Oh, j'adore quand ça se passe comme ça. J'adore ça. J'adore ça. En plus, vous voyez, hein, quand j'ai fait le jeu principal, on est parti pour le niveau Chartino. Hein. Quand j'avais fait le jeu principal en mode découverte, comment j'avais eu énormément de mal, encore une fois, même pour trouver les caisses qui étaient planquées, pour finir même les niveaux sans mourir. Vous voyez, c'était quand même très compliqué quand je l'ai fait en mode découverte. Et là, vous voyez, je refais le jeu donc pour la quatrième ou la cinquième fois, je ne sais plus. Et vous voyez, là, j'arrive quasiment à refaire certaines reliques parfaites sans trop de difficultés, quoi. Je suis ravi, vraiment, je suis ravi. D'autant plus que là, on est en mode inversé, hein, ce qui est un petit peu plus dur, notamment avec les particularités graphiques des niveaux. Mais si vous êtes concentré, que vous faites vraiment attention, certaines reliques parfaites sont vraiment pas si compliquées. Faut juste vous entraîner. C'est tout. Allez, c'est parti donc pour ce niveau de la charge de Dino. Bon là normalement je peux passer direct hein, mais voilà. Ça va mon gars? Tu vas bien? Je olé. Non mais couché oui. Ça suffit. Ok très bien. Checkpoint. Et on enchaîne. Allez, c'est parti. Merde, il y avait une caisse là à choper, je l'ai pas prise. Bon, c'est pas grave, tant pis. On enchaîne. S'il manque une caisse, je serai parfaitement volé. Ah bah tiens, il m'en manque deux. Trois. Oh flûte. Je suis pas bon les gars. Bon c'est pas grave, tant pis, j'aurais pas la relique parfaite pour ce niveau là. Bon c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. En plus vous voyez le truc c'est que le rond, vous voyez il est quasiment invisible, hein, le rond jaune, hein, vous voyez c'est pas évident. Alors là ici surtout dans le tronc, voilà se trouve la gemme cachée, faut pas l'oublier. Hein. C'est important. Vous voyez le cercle jaune de Coco, il est très peu visible. Hein. Merde, j'ai encore oublié une caisse. Alors normalement je crois que le dino le pète pour vous. Hein. On va vérifier. Oui voilà, le dino le pète pour vous hein, les caisses, donc vous n'avez pas forcément besoin de les taper. À part pour les fruits. Voilà, petite intervention de Dingodil. Et on enchaîne. Alors ici, pareil, il y a une caisse à choper ici. Bon, allez, faut passer ici, hein, par-dessus. Hein. Ça pareil, on peut se faire avoir très facilement. Ok, checkpoint. Et on enchaîne. Alors là, ici, attention aux bulles de vapeur, là. 2, 3, 4, 5. Non, on va attendre sur la TNT, voilà. On n'est pas pressé. Hop. Et c'est parti pour le niveau bonus.
ces petits dinos tout mignons que j'aime beaucoup. Comme ça. Pas besoin d'aller là, hein. Non, non. Ça passait là comme ça, voilà. Même chose ici. Sachant que là, ça va activer tac, la caisse interrupteur. Là, c'est un truc où il faut faire pas mal d'aller-retour, hein, mais c'est normal. Hein. Vas-y, hop. Voilà, et là, on est bon. 1, 2, 3. Allez, vas-y, fais tout sauter. Putain, qu'il est con. Il est couillon. Ce que j'adore aussi dans le niveau bonus, vous l'avez peut-être vu en arrière-plan, mais quand je crève, les bébés dinos, ils se foutent de ma gueule. Hein, hein, vous vous foutez de ma gueule. Loul. Saleté de dinosaure. Vous êtes mignon, mais vous êtes des saletés. Avec vos grandes dents pointues. À peine petits, ils ont déjà des grandes dents. 1, 2, 3, paf. Voilà. Et si on peut passer comme ça direct, voilà. Ok, très bien. Ok, on peut quitter le niveau bonus. Alors normalement, je devrais être à 111 caisses, hein, si tout va bien. 112 avec le bonus. Et là, on va voir le retour de Mister Grand Dent. Que voici. Alors attention, évidemment, les champignons, hein, faut pas les toucher. Hein. Champignons hallucinogènes. Oh putain de perspective. Ça pareil, la perspective, mais elle est très mal branlée dans ce niveau, je vous jure. Et ça, je me ferai avoir tout le temps. Maudite perspective mal branlée. On croit en fait qu'on est sur les dinos, mais non. Et comme en plus on est dans le mode inversé, le cercle de Coco est très... Enfin, de Crash, elle est très petite, on la voit à peine. Et comme c'est un niveau où t'as pas vraiment le droit à l'erreur, bah si jamais le rond est très mal mis, vous allez vous faire avoir. Ok, c'est bon, c'est passé. Et ouais mon gars, j'étais bien nu, nanère. Ouais, c'est ça. Retourne la queue entre les jambes, ouais. Non, j'aurais pas dû faire ça parce que ça va couler. Voilà. Faut y aller au bon moment. Maintenant. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Entrez. On va attendre que ça saute quand même avant de péter le checkpoint. Très bien. Et on est parti. Voilà, vous inquiétez pas, le dino pète tout, hein. Pas besoin de tout péter, de péter toutes les caisses. Ah pareil, entre les Boompas qui sont violés, les champignons violés aussi, c'est pas évident. Ok, très bien. Et il me manque bien donc 3 caisses, ce sont bien les 3 caisses que j'ai ratées sur le rail, hein. Mais sinon on est bon. Hein. On était bon. Parfait, on peut enchaîner. Et on va enchaîner avec le dernier niveau de ce monde. Hein. Vous voyez, ça va quand même aussi assez vite. Hein. Le jeu va quand même très vite, hein, en fait. Hein. Et encore, là, je m'oblige à aller chercher les gemmes cachées. Les gemmes cachées, hein, surtout. Mais vous voyez, quand même, le jeu va quand même assez vite. Hein. D'ailleurs, on va changer de perso. Enfin, on va changer de tenue. Alors, on va partir au niveau ballon de baudruche. J'aime pas trop d'ailleurs ce perso là de cette skin plutôt du ballon de baudruche. Je suis pas très fan.
Allez, c'est parti pour le niveau du rocher bloqué. Avec Dingodil. Encore une fois, c'est vrai que les niveaux avec Dingodil, c'est vraiment les niveaux que j'aime beaucoup, vraiment. Je sais pas si c'est le perso qui fait ça ou si vraiment les niveaux Dingodil sont bien foutus, mais c'est vraiment les niveaux avec Dingodil que j'aime le plus, vraiment. Comme quoi? Ok. Il doit bien y avoir un autre de ces trucs brillants dans le coin. Mais oui, mon cher Dingo, t'inquiète pas, tu vas trouver. Voilà, déjà la grosse pébête, elle dégage. Hop. Là, tu peux. Tu peux quand même récupérer mes petites TNT, mon cher Dingo, ça serait bien. Non, j'en prenne une pour balancer là-bas, voilà. Et sinon, je vais être un peu dans la mouise, moi. C'était pas ici? Oh, j'ai cru. Ouais, c'était là. C'était ici, alors. Mais merde, j'ai sauté avec. Et voyez le dino derrière, là, je suis mort. Voyez le dino, il se marre derrière. Il se marre comme une baleine, l'autre con. Oh, ce pauvre, ouais. Non, mais là, c'est moi qui fais l'andouille en plus, là. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié des caisses là-bas. C'est étonnant de ma part, dis donc. Voilà, c'est pour ça en fait que je suis mort, c'est parce que j'avais oublié des caisses, tout simplement. Voilà. Et non, je me cherche pas d'excuses. Allez, Dingo, prends tout, s'il te plaît. Voilà, ici c'est l'emplacement de la gemme cachée hein, du niveau classique, si vous vous rappelez. Ah, tu te marres toi. Oh, t'es tellement mignon que je t'en veux pas. Ok, checkpoint. Chope-moi la caisse là. Alors normalement, en revenant, ça passe. Hein. Oui, voilà. Hop, très bien. Hop là, on fait tout sauter et on enchaîne. Doucement. Ok, très bien. Ok, 2, 3, 4, très bien. Et on enchaîne avec la suite, parfait. Checkpoint, attention à lui là. Super plante de merde. Ok, parfait. Hop. Hop, très bien. Et pareil, on fait tout péter. Parfait. Hop, là on monte. J'aurais pu tout faire sauter, non? Ok, très bien. Sale bestiole. Alors, attention ici, j'aime cacher. Putain, je l'ai même pas eu. Mais. Bon, tant pis pour la j'aime cacher. Vous la voyez, hein? Putain, le con, j'étais obligé là. Là vous la voyez, elle est juste là au-dessus, hein, vous la voyez. Hein. En fait il fallait servir des caisses pour rebondir, hein, mais j'ai pas envie de perdre du temps. On avance.
toute façon là je peux plus la choper hein, maintenant, je suis mort. Maintenant que je suis mort, enfin maintenant que j'ai pété toutes les quêtes plutôt, je n'ai plus la possibilité de tout choper. Enfin de la choper en tout cas. Mais en tout cas vous l'avez vu, hein, elle est bien là. Voilà, on y va tranquille. Pas besoin de se presser. Hop. 1, 2, 3, on monte. Hop, hop. Très bien. Oui, mon dingo, il est temps de rentrer. Ok, 149, je crois qu'on est bon niveau caisse. Et on est parti avec Crash Baudruche. Mais. Voilà, j'allais dire que je peux bien choper cette caisse normalement. Ok, parfait. Alors là, ici, normalement, je crois qu'on peut passer au-dessus. Hein. Oui, voilà. C'est beaucoup plus simple. Et c'est moins risqué et moins dangereux. Oh, bref. Tant pis pour les 4 caisses. Allez, niveau bonus, c'est parti. Le retour de ces mignons dinos. Voilà, ici on va attendre voilà, que les deux caisses voilà, se calment. Ok, très bien. Descends, parfait. Voilà, si je fais tout sauter, ça évite de perdre du temps. Alors ici, il faut se dépêcher hein, pour pas se prendre le... Bien joué. Tant j'ai fait la tornade, hein, mais bon, évidemment, la tornade n'a pas compté. Loul. Sinon, c'est pas drôle, évidemment. Allez, concentration. Ici, voilà, on peut faire une glissade et passer d'un coup, hein. On peut très bien faire ça. Alors pour ici, on peut aussi faire comme ça, hein. Voilà, ça passe aussi. Hein. Ok, niveau bonus terminé. On va pouvoir enchaîner. Allez, retour des dinos. Ok, deuxième gemme obtenu. Non, faut que tu glisses là. Si je me gourre, ça fait pas non plus les gars. Oh. J'en étais sûr, encore une fois, la perspective deux fois. Hein. Ça fait deux fois que la perspective me joue un tour, c'est dingue. Hein. Pour vous dire vraiment, cette perspective elle est mal branlée, je suis désolé, la perspective est vraiment mal faite. Et pour un jeu comme celui-là, où pour faire le fond du fond du fond du jeu, tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est très chiant, c'est très chiant, vraiment. Dépêche-toi. Si tu m'en fais pas la même boulette, voilà, merci. Ok, très bien. Ok, checkpoint. Oh putain, bien sûr. Il faut que je me fasse avoir par le... par la bulle de lave. On va pas prendre trop de risques non plus. Ok, très bien. Ok, checkpoint. Et on enchaîne. Dépêche-toi quand même parce que le dino il a des grandes pattes là quand même.
Il a des grandes pattes, le dino. Non. Vraiment, ton petit crash, j'ai vu toi. Non, je suis trop tard, là. Je suis trop tard. Non, c'est bon. Oh. C'était chaud. Mais c'est passé. Et on a bien toutes les caisses, parfait. Toutes les caisses, les 3 gemmes. Gemme des morts. Bon, j'aurais pas eu la gemme cachée, mais vous l'avez vu où est-ce qu'elle était. Hein. Elle était dans le passage avec Dingodil, en dessous du champignon. Donc au moins, je vous aurais tout montré. C'est le principal. Bon bah voilà, on a fait les 4 niveaux de ce monde-là. Bah, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Allez, donc c'était top donc pour cette 7ème partie sur l'SP de Crash Bandicoot 4 Stab Time, l'SP bis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, eh bien, on enchaînera avec les 5 niveaux, enfin les 4 niveaux plus le boss que comporte ce niveau, enfin ce monde, l'orbite de Bermudula. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.